Salut tout le monde, en ce jour de 9 octobre 2023, pour cette vidéo Spotify où je vous présente mon classement de l'année 2022, on va tourner cette vidéo dans les toilettes chez mon père. La raison de pourquoi est-ce que je fais ça, c'est parce que chez mon père, il y a à peine quelques jours, les toilettes ont été repeintes en couleur bleu marine. Et comme mon ancienne chambre que j'avais à la montagne en 2022 était également de couleur bleu marine, je me suis dit que c'était une belle occasion justement de rendre hommage à mon année 2022 avec cette couleur bleu marine qui représente beaucoup en termes de couleurs que j'aime bien et en termes de ce que j'ai vécu pendant l'année 2022. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire un récapitulatif de mes dernières années en termes de Spotify. Je résume très grossièrement pour ceux qui ne le savent pas. En 2017, je me sentais déprimé et j'avais commencé à faire des best-of Piorca à ce moment-là. En 2018, j'avais à mon pic en termes de déprime, mais vers la fin de l'année, j'ai commencé à me reprendre en main. En 2019, je passe de la déprime à la colère, ce qui est une bonne amélioration. En 2020, je vais bien mieux, étant donné que je commence à faire mes propres vidéos, à partager ma vie et à aller bien mieux émotionnellement parlant. En 2021, je suis toujours autant focalisé sur les vidéos et je fais la découverte de Kevin Trudeau. Ma vie va un petit peu mieux également depuis l'année dernière. Et l'année 2022 est un grand changement, étant donné que je suis passé de la Bretagne à la montagne pour aller vivre avec mes camarades de l'époque. Et c'est également dans la même année que je me sépare de mes anciens camarades à peine 4 semaines plus tard après mon aménagement chez eux. Ce qui a par conséquent créé un gros chamboulement dans ma vie au niveau de mes relations sociales. Ça va de soi. Alors la question que l'on peut se poser, est-ce que tous ces événements majeurs dans cette année 2022 ont eu un effet sur les musiques que j'ai écoutées pendant cette époque-là? Alors évidemment, la réponse, vous allez la savoir dans quelques instants. Ah, vous avez cru que j'allais vous révéler la réponse maintenant, alors que vous pourrez la voir bientôt. Eh, soyez patient, évidemment. Mais en tout cas, évidemment que ça a eu un impact, mais à vrai dire, pas tant que ça. Étant donné que d'une année à l'autre, mes goûts musicaux changent de manière assez conséquente, ce qui fait que l'on passe d'une année à l'autre avec des goûts qui peuvent paraître assez aléatoires, faut l'avouer. Cela dit, l'année 2022, c'est une année intéressante de par le fait que je me suis découvert une possibilité du potentiel dans le chant, étant donné que quand je m'écoutais chanter pendant cette période-là, je ressentais des émotions, et étant donné que je suis particulièrement égocentrique. Donc c'est à partir de cette année 2022 que je me suis bien plus intéressé au chant. Ça ne veut pas dire que je me suis entraîné à chanter, loin de là, mais j'ai émis la possibilité que je pouvais faire quelque chose avec ma voix et avec le chant en général. Enfin bref, trêve de blabla, voici maintenant les musiques que j'ai écoutées pendant l'année 2022. Ah oui, d'ailleurs, Spotify, ils sont amusés à mettre une musique supplémentaire, ce qui fait qu'il y a 101 musiques. Voilà, ça c'était un petit détail que j'avais envie de rajouter, mais un détail qui avait son importance. Donc c'est un classement de 101 musiques, écoutez-le et appréciez bien. C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est le tendresse et de force. Allez viens, on va le manger chez les Corses pour tuer le temps. On s'éteint, y'a plus de petits, c'est karma. La moulin, le terrain,
s'attend pas au bout d'une ligne droite, tu sais. Il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours. Rien, 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 rien d'autre à gâcher, rien à perdre d'autre, à part des perles d'autre. Rien, 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 j'ai rien d'autre à gâcher. J'ai bien deux, trois cachettes, mais rien d'autre à cracher. Chute, rien, rien, des wagons de larmes. Ma neck no qui day, la 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 la. Sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Un bâtard, un fils d'une patate. Que ça kick, je reste imbattable. C'est fallonné, des lâches sont cachés sur mon domaine. Slalomé entre les lames, c'est marcher sur mon dos, mec.
je vous fais le topo, je serai rap. Chaque fois que de belles choses arrivent dans ma vie, une partie de moi est terrifiée. Non pas que le bonheur me fasse peur, c'est simplement que ce que je vis me manque déjà. Plus mon désert autour du grand tableau. Depuis
tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai. Ne viens pas me sauver, je tombe en laissant mes couleurs. Au milieu des fleurs. Ne viens pas me sauver, je commence à sombrer. À la longue, pas l'enrayer tant que ça. Va à l'ombre, mais je suis pas effrayé tant que ça. Peu importe, terre en friche ou valala, mais ça les valait. Je la lâche et je me fiche ou va l'alarme, ça les allait. À la longue, pas l'enrayer tant que ça. Nous on sait pas comment abandonner. Imagine tout lâcher, alors dans ça nous on a tant donné. J'ai envie de tout casser comme c'est devant moi. Comme c'est devant moi, y'avait Sina, Maria et Rose. Comme c'est devant moi, y'avait des murs, nous on sait pas. Moi,
Accompagnons sa chute en musique. Accompagnons sa chute, veut nous dire qu'on est lâche. Accompagnons sa chute en musique. Accompagnons sa chute, veut nous dire qu'on est lâche. Six pieds. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Je vous pose la même phrase à chaque fois, mais évidemment que je sais qu'elle vous aura plu. Bon, évidemment que je sais qu'elle vous a plu, sinon vous la regarderez pas encore à l'heure qu'il est. Mais en tout cas, ça reste tout de même intéressant de voir l'évolution, et je dirais même l'amélioration qu'elle y a eu entre l'année 2022 et l'année 2023. Forcément, entre chaque année, il y a toujours de l'amélioration, ce qui est tant mieux, ça veut dire que chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux et encore mieux, et ça c'est super chouette pour moi. Mais en tout cas, c'est toujours plaisant de constater que même si il y a des événements dans ma vie que l'on pourrait considérer comme étant négatifs, eh bien il s'avère que par la suite, ces événements négatifs sont le déclencheur de ce qui fait que ça va mieux par la suite. Donc si vous avez une leçon à retenir de tout ça, c'est que même dans les événements négatifs, il y a toujours du positif à en retirer. Et cet événement soi-disant négatif que vous avez vécu pourra s'avérer être la graine qui germinera pour donner une belle plante de réussite. C'est ce que j'avais envie de dire, tout simplement. Et même s'il est vrai qu'au niveau des relations sociales, je suis quelqu'un qui pêche un peu au niveau de ce côté-là, c'est vrai, je ne vais pas me mentir qu'au niveau des relations sociales, forcément, quand t'es autiste, ça n'est pas trop. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, ça ira mieux. Quand je me focaliserai bien plus là-dessus, cela dit. Parce qu'il est vrai que ce n'est pas ma priorité, les relations sociales. Mais le jour où je me déciderai de me focaliser pleinement à fond sur le fait de me créer des relations sociales de qualité, à ce moment-là, ma vie sociale ira bien mieux par la suite. Ça, c'est clair et net. En tout cas, j'espère que parmi toutes ces musiques qui ont lieu dans le classement, il y aura eu des musiques qui vous plaira. C'est toujours ça le but des vidéos Spotify, de vous faire découvrir des musiques qui pourraient potentiellement vous plaire, en plus de me remémorer des souvenirs vis-à-vis des musiques que j'ai pu écouter pendant telle ou telle période. Ça fait toujours du bien de me rappeler de souvenirs du passé et de mon enfance. Et bref, tout ce qui a un rapport avec mon passé. J'adore ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que la qualité sonore soit un minimum qualitatif pour vous et vos oreilles parce que forcément, quand tu tournes dans les toilettes, la qualité n'est pas la même. Enfin bref, merci d'être toujours au rendez-vous et de regarder mes vidéos. Merci à vous d'être toujours là. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur je ne sais pas quoi et pour un autre classement Spotify dans je ne sais pas combien de temps. Je vous dis salut tout le monde.